C'est celui qui marche, regarde. Bonsoir à tous. Madame la ministre, Frédéric Vidal, monsieur le secrétaire d'État, Mounir Majoubi, chers collègues, c'est un honneur et un plaisir de vous accueillir pour échanger sur l'impact du numérique sur l'enseignement supérieur. C'est un honneur et un plaisir en ce qui me concerne de 5 points de vue. D'abord comme président de la Fondation nationale des sciences politiques, donc pour faire vite et chic, président de Sciences Po, mais président type 4e République, hein, je vous rassure tout de suite. Parce que Sciences Po pourrait s'appeler Sciences Pédago Numérique, étant donné que nous sommes assez avancés sur le sujet. Un centre d'expérimentation numérique a été créé ici en 2016. Il va être dirigé dans un peu moins de 2 mois par Jean-Pierre Berthet, qui nous rejoint de Centralion et qui, je crois, est ici présent. Et il est au service de tous les programmes de formation continue ou initiale. Je vous accueille aussi comme professeur naguère numérisé. Alors, j'étais pas MOOC mais MOOC, et j'étais pas CLOM mais CEL, c'est-à-dire que c'était des cours enrichis en ligne. Mais on a créé ici les premiers cours enrichis en ligne en 2007. Au terme d'une année de travail pendant laquelle on a fait, par les échanges et les allers-retours avec les étudiants, changer le logiciel 72 fois. C'est un grand souvenir. Je vous accueille ici comme membre du comité directeur de l'Institut Montaigne, puisque l'événement de ce soir, son origine, c'est le rapport Babinet-Husson qui a été fait pour l'Institut et publié au mois de juin dernier. Et Édouard Husson est ici présent et même à cette tribune. Et enfin, je vous accueille comme rêveur impénitent qui pense qu'il y a encore énormément de choses à faire. Parmi les quelques choses que j'ai ratées dans ma vie, il y a quelques années la création d'une université citoyenne numérique dans laquelle on était engagé avec Richard Descoings, directeur de Sciences Po, Emmanuel Hoc, patron de l'INA, et Jean-Pierre Cluzel, patron de Radio France. Et puis chacun de ses dirigeants, pour des raisons diverses, n'étant plus là, le projet n'a pas pu aboutir. Donc, c'en est un parmi d'autres. Il y a encore énormément à faire. Et enfin, cinquièmement, et peut-être même pour ce qui me concerne parfois principalement, je vous accueille comme ami de Laurent Bigorgne, qui va introduire beaucoup mieux que moi ce débat. Madame la ministre, cher Frédéric, monsieur le ministre, cher Mounir, cher Édouard, chère Marie Caroline qui va animer avec le talent que nous lui connaissons ce débat, cher président, cher Olivier, si cher Olivier, j'ai beaucoup d'émotions parce que c'est ma 2e soirée de suite à Sciences Po avec Olivier. Alors, hier soir, je vous rassure, nous étions avec, pour montrer la pluralité de ce lieu d'accueil et de l'Institut, avec la France Insoumise et le Parti Socialiste, pour un débat qui était peut-être moins numérique et moins sur le supérieur et plus politique. Hystérique, je ne sais pas, mais c'était en tout cas un bon débat. Je fais de la pub pour ceux qui comptent organiser. Je crois que vous pouvez même le retrouver sur Facebook. Peut-être un souvenir, peut-être même 2 souvenirs, avant de laisser nos interlocuteurs prendre la scène. Le premier, c'est que j'ai longtemps occupé un bureau qui se trouve juste au-dessus de Boutmy. Et j'avais pour habitude, à heure précise, de regarder le taux de remplissage des amphithéâtres, de regarder qui officiait en chaire, ça je le savais généralement au taux d'applaudissement. Et vous pouvez imaginer ce que jeune directeur adjoint de Sciences Po, je vivais que de regarder tous ces grands professeurs, dont pour certains j'avais suivi les enseignements, et de me retrouver assis à côté aujourd'hui de celui à cette même chaire qui me fut si cher. Et donc c'est un souvenir que j'évoque, parce que de temps en temps on a le droit d'être dans l'intime, le personnel, hein, et évidemment, Olivier a évoqué le nom de Richard Descoings. Je m'associe à lui ici même. Mon 2e souvenir, c'est que j'ai eu cette chance, élève de cette institution. Alors, je sais qu'elle a beaucoup changé à l'époque où j'y officiais, et sans doute beaucoup plus depuis. Mais pour mes étudiants qui sont là, je vais me risquer à un exercice sans filet. Il y a une première partie que nous allons devoir voir ce soir, qui est la chose la plus importante d'une société, c'est l'enseignement supérieur.
Il y a une deuxième partie que nous allons voir ce soir, c'est que la chose la plus importante dans nos sociétés aujourd'hui, c'est le numérique. Et donc, en bon étudiant de Sciences Po, ayant fait ses classes, évidemment, au croisement de ces deux parties, nous tomberons d'accord pour dire qu'il fallait impérativement étudier l'impact de l'enseignement supérieur sur le numérique et l'impact du numérique sur l'enseignement supérieur. Merci à Edouard et merci à Gilles Babinet, que j'ai vu ce matin et qui regrette de n'être pas avec vous ce soir, de s'être livré à cet exercice à la fois de diagnostic et en même temps spéculatif et en même temps, j'ai dit en même temps par hasard, et en même temps de proposition. Bon débat à toutes et tous et merci à Sciences Po de nous accueillir. Bonsoir à tous, merci pour ce très sympathique mot d'accueil, cher Laurent. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Je représente l'étudiant dont je dirige la rédaction. Je voulais vous dire comment allaient se dérouler ces débats. Alors, il y a ce qui s'affiche depuis le début, vous n'avez peut-être pas fait attention, mais c'est très important pour qu'on puisse avoir une interaction. Je vous invite à vous connecter sur la plateforme de questions qui s'appelle Wasmly. Donc vous avez toutes les liens ici pour poser vos questions. Vous avez normalement un petit flyer qui vous a été distribué. Ces questions vont s'afficher en temps réel pendant notre conversation. Et j'en prendrai certaines pendant la première partie du débat. Et puis ensuite, nous les poserons à nos invités dans la deuxième partie du débat. Je vais tout de suite... est-il utile de vous présenter... les personnes qui sont là, mais je vais quand même le faire, puisque c'est quand même des choses qui se font entre nous. Madame Frédérique Vidal, vous êtes ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et vous étiez auparavant présidente de l'université Nice-Sophia Antipolis. À côté de vous, Mounir Majoubi, vous êtes secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du numérique et ancien président du Conseil national du numérique et entrepreneur. Et enfin, Édouard Husson, vice-président de l'Université Paris Sciences et Lettres et co-président du groupe de travail de l'Institut Montaigne, qui a donné lieu à ce rapport, copiloté également par Gilles Babinet, que nous avons largement cité dans cette introduction. Alors ce rapport qui a été publié en juin, ce qui frappe quand on le lit, c'est qu'il va bien au-delà de la question de l'outil et du numérique traité comme un outil, ce qu'on peut entendre et avoir comme approche quand on lit des articles sur le numérique à l'école ou le numérique dans l'enseignement supérieur. Ce qui est intéressant, c'est qu'il propose de faire du numérique un levier de transformation de l'enseignement supérieur sur tous les plans, sur le plan de l'organisation, sur le plan de la pédagogie, y compris sur le plan du financement, qui est un sujet qui vous occupe, vous, acteurs de l'enseignement supérieur, particulièrement en ce moment. Et cette transformation, elle doit être mise au service de l'insertion professionnelle des étudiants et d'une meilleure formation, notamment sur le plan des compétences digitales. C'est un résumé extrêmement rapide, mais ce qui fait l'originalité de ce rapport, c'est son approche globale qui embrasse tous les sujets, polémiques ou moins polémiques, qui occupent les acteurs de l'enseignement supérieur que vous représentez. Alors, pour commencer notre discussion, je vais vous donner la parole, Édouard Husson, pour faire un rapide retour en complétant ce que je viens de dire très rapidement sur ce travail et peut-être éclairer certains points qui peuvent être aujourd'hui mis en action par les pouvoirs publics. Merci beaucoup. Effectivement, en 2-3 minutes, je vais essayer de vous souligner quelques points qui nous ont paru importants au groupe de travail. Je souligne bien que Gilles Babinet et moi-même, nous avons été co-rapporteurs d'un groupe de travail plus large qui comptait une dizaine de personnes et qui a planché pendant plusieurs mois sur un sujet complexe. Simplement pour vous dire un peu à l'origine de tout ça, Laurent Bigorgne, Gilles Babinet, moi-même, nous nous connaissons depuis plusieurs années, nous sommes assez complices dès qu'il s'agit d'imaginer l'avenir de l'enseignement supérieur, et on partageait un constat, à savoir que la France fait depuis la fin des années 1990 un énorme effort
de transformation, d'adaptation de son enseignement supérieur, pas simplement au monde qui nous environne, aussi aux attentes des générations qui le fréquentent. Et il y a quelque chose d'assez paradoxal dans le fait que le numérique a été abordé relativement tard. C'est finalement en 2012, avec le choc des MOOC, qu'on a commencé véritablement à en parler. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas auparavant des initiatives, qu'il n'y avait pas des écoles, des universités qui s'intéressaient à cela, mais malgré tout, 2012 représente de ce point de vue-là un tournant. Et en même temps, le groupe de travail a très vite partagé ce constat que les MOOC, ça n'est que la face émergée de l'iceberg. C'est un tout petit aspect du problème. Et d'ailleurs, si vous vous intéressez au sujet, si vous le suivez depuis quelques années, vous verrez qu'on parle déjà de l'ère post-MOOC, de l'ère d'après les MOOC, parce qu'en fait, on invente des choses beaucoup plus adaptées en termes de captation de la bienveillance des auditeurs, des étudiants, des apprenants, pour fixer un public. Et on fait de plus en plus du sur-mesure, puisque c'est l'une des choses fascinantes dans le numérique, c'est qu'on peut faire à la fois, on peut toucher un grand nombre et en même temps, on peut s'adapter au profil de ceux qui suivent. Alors, effectivement, vous l'avez dit, très vite, on a découvert qu'il n'y avait pas qu'un seul aspect des choses. Et je vais simplement me contenter d'insister sur la structuration du rapport. Quand on parle du rapport entre numérique et enseignement supérieur, on a vu immédiatement émerger trois questions. Celle du numérique comme outil de formation, celle de la formation au numérique, on va dire dans un sens générique, et effectivement au métier du numérique. Et la France ne manque pas de talent, mais on ne sait pas forcément comment canaliser les énergies concernées. Et puis enfin, quand on parle du numérique, en fait, il y a tout ce que ça implique comme transformation des comportements d'apprentissage, des comportements au travail. Donc, c'est les compétences de l'ère numérique qui sont en cause. Je voudrais insister effectivement sur le dernier aspect, peut-être le plus important, et c'est pour ça qu'on l'a mis au début. On a commencé par ça, c'est insister sur la maîtrise que peuvent permettre les outils numériques et donc l'enjeu qu'il y a au service de l'autonomie, au sens de la capacité pour les établissements d'enseignement supérieur à mieux maîtriser leur environnement, à mieux être au service de leurs étudiants. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. J'insiste sur cette idée. Il y a d'abord, lorsqu'on parle du numérique et de l'enseignement supérieur, il faut bien comprendre que, par bien des aspects, le numérique est un outil au service de l'enseignement supérieur. Il ne s'agit pas d'adapter l'enseignement supérieur au numérique au sens où on établirait une priorité, mais bien de se demander dans quelle mesure cette révolution digitale, qui peut être la meilleure comme la pire des choses, on fait en sorte qu'elle soit au service des étudiants, au service des chercheurs aussi, puisque nous n'avons pas oublié dans le rapport le monde de la recherche. Et en même temps, plus on creuse le sujet, plus on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de comportements, de façons d'être, qui sont transformés à partir du moment où on utilise ces outils. On parlera peut-être au cours du débat de la classe inversée et du fait que, en tout cas, un peu partout dans le monde, le modèle qui s'impose, c'est celui d'une mixité entre les cours en ligne et le présentiel. Et j'insiste beaucoup sur ce dernier aspect, et pour finir cette trop rapide présentation, ce qui nous est apparu aussi de plus en plus au fur et à mesure que nous rédigeons ce rapport, que nous dialoguions avec des enseignants-chercheurs, avec des responsables d'universités, d'écoles, avec des représentants d'entreprises, avec des représentants de la société civile, ce qui nous a de plus en plus frappé, c'est qu'au fond, le numérique n'écarte pas du tout le présentiel, le facteur humain de l'université. Au contraire, ça oblige à repenser le campus, à se demander pourquoi, finalement, on va quand même avoir envie demain d'aller sur un campus dans une université. Et c'est, je crois, l'aspect le plus important. Au fur et à mesure que nous avons écrit ce rapport, nous sommes rendus compte que beaucoup des missions les plus anciennes de l'université
la transmission des savoirs pour eux-mêmes, sans utilitarisme, finalement, ressurgissait comme quelque chose d'absolument fondamental. Et finalement, le paradoxe de la révolution numérique, si elle est bien maîtrisée au service de l'université, ça pourrait être de réaffirmer certaines des vocations les plus anciennes de l'université. Merci beaucoup. Nous allons y revenir au cours de la discussion, mais je voulais auparavant vous passer la parole, monsieur le secrétaire d'État. Comment avez-vous réagi à la sortie de ce rapport? Vous me direz, en juin, vous étiez, vous ne l'avez peut-être pas lu tout de suite, mais en tout cas, sur le versant numérique dont vous avez la charge, quelle vision avez-vous de la transformation par le numérique d'un secteur comme l'enseignement supérieur? Eh bien, ce rapport, je l'ai lu, et ce rapport, j'y ai contribué, j'ai été auditionné, et j'ai déjeuné avec M. Babinet hier. Donc, vous voyez, je suis dans l'actualité. Parfaitement au point, j'en suis ravie. Merci. Trois points que vous soulignez, et je pense que c'est une bonne matrice d'analyse. Le numérique comme un outil au service de l'enseignement supérieur, le numérique comme un objet d'étude, et le numérique comme un objet, le numérique comme une transformation, comme un phénomène qui transforme nos sociétés, qui réinterroge la fonction de chacun. Évidemment, le troisième sujet le plus important, c'est comment, à l'heure d'une transformation radicale de nos modes de vie, de nos économies, de la façon d'échanger, dans la façon de transmettre, dans la réinterrogation de la structure de nos économies, dans la structure de nos agents, transformation que nous sommes en train de vivre et qu'aucun n'est capable de désigner ou de dessiner avec certitude pour les années à venir. Et pourtant, sur les outils et sur le numérique comme un objet, on n'est pas encore au niveau. J'ai été étudiant à Sciences Po. J'étais là il y a 10 ans dans cet amphi, je suis revenu il y a 5 ans, c'était drôle, j'étais assis à votre place, monsieur le député, et j'ai pu parler il y a 2 ans à Sundar Pichai et lui demander quand est-ce qu'il paierait des impôts, et il s'était engagé à dire que c'était un sujet intéressant et que Google était prêt à traiter le sujet. C'était juste pour vous dire la dernière fois que j'étais en Boutmis ce que je faisais là. Le numérique comme un outil, cette question on se la pose au quotidien et je me la pose au quotidien dans le cadre de la transformation numérique de l'État. Aujourd'hui, les citoyens ne comprennent pas que dans leur relation avec l'État et dans leur relation avec les services publics, ce soit plus compliqué, moins agile que dans leur relation avec les prestataires de e-commerce ou avec leurs réseaux sociaux avec lesquels, malgré les difficultés qu'ils ont pu avoir les premières années, tous les citoyens arrivent à interagir. Sur les outils au sein de l'enseignement supérieur, vous savez qu'à Sciences Po, vous êtes plutôt bien lotis, mais on n'est pas encore au niveau des autres expériences que vous pouvez avoir par ailleurs. Imaginez ailleurs, imaginez dans ceux qui seraient un peu plus en retard, imaginez dans ceux qui auraient un peu plus à faire. Donc c'est pour ça que moi je ne veux pas opposer les trois, outils, objets, transformés. Dans votre rapport, vous traitez tous ces sujets, tout en apportant une place plus importante au troisième, puisque c'est celui qui nous amène à penser l'avenir. Mais sur l'outil, il faut qu'on y aille, et il ne faut pas qu'on se limite aux petits outils. Le deuxième, c'est le numérique comme un objet d'étude. Là aussi, on a un sujet de diversité, de volume, d'exhaustivité. Aujourd'hui, on forme d'excellents ingénieurs au numérique, on forme d'excellents chercheurs au numérique. On a créé des formations qui ont mal vieilli, mais qui sont en train de se réinventer, de techniciens du numérique. Et pourtant, il n'y en a pas assez. Donc on a un sujet aussi sur le numérique comme un objet. Et puis ce qui est nouveau, c'est le numérique dans toutes les formations. Et donc, qu'est-ce qu'on doit apprendre? Là, aujourd'hui, on se dit sur les formations générales, ça peut être compliqué de savoir s'il faut apprendre à coder, s'il faut juste avoir une attitude critique vis-à-vis des contenus, est-ce qu'il faut avoir une attitude d'analyse de l'économie à l'heure du numérique. Et puis... je serais tenté de dire que ceux qui sont encore étudiants aujourd'hui, vous êtes déjà presque trop vieux, parce qu'avec le ministre de l'Éducation nationale, on se pose la question sur des enfants de primaire, à se poser la question, est-ce que dès le primaire, on ne pourrait pas les sensibiliser au codage? Est-ce qu'on ne pourrait pas les sensibiliser, en tout cas, au concept de codage? Parce que ce qui est important dans le codage, ce n'est pas de coder. Ce qui est important dans le concept d'apprendre, de se déniaiser au code, c'est de comprendre comment une information virtuelle, elle est stockée, transmise, transformée, comment elle peut circuler physiquement sur des réseaux et comment ces réseaux ils peuvent entraîner des risques, comment ces réseaux ils peuvent être écoutés, comment ces réseaux ils peuvent être de bonne ou de mauvaise qualité, comment à la fin ça se transforme en un contenu, comment à la fin ce contenu il a un sens. Bon, bah, ce déniaisement de numérique, en une quinzaine d'heures, vingtaine d'heures de code, qui dans la salle a déjà fait une initiation au code ou un déniaisement au code? C'est pas mal. Il y a 10 ans, on n'aurait pas eu toutes ces mains levées. Pour tous les autres, je vous invite à vous déniaiser.
Vous regarderez votre téléphone différemment, vous regarderez tous les objets différemment, vous comprendrez et vous ressentirez. Comprendre, vous le comprenez déjà sinon vous ne seriez pas là ce soir, mais vous ressentiriez dans la profondeur de votre âme ce que c'est que cet octet qui est codé dans un code, qui est transmis, qui est analysé, qui est dans la relation entre un serveur et un client. Tous ces concepts-là sont très importants pour comprendre le monde dans lequel on est. Mais ce troisième objet qui est celui de la transformation du monde, c'est peut-être le plus important. C'est comment le numérique, par ses méthodes, le numérique, par la façon qu'il a transformé notre économie, la façon qu'on a de faire de la politique, en fait, il nous oblige à réinventer les contenus mêmes qu'on se transmet. Regardez aujourd'hui l'économie de plateforme. Aujourd'hui, on a des secteurs qui se désintermédiarisent et d'autres qui se réintermédiarisent. On a des secteurs où une entreprise vendait directement à ses clients et elle se fait perdre sa relation aujourd'hui par une entreprise plateforme qui va assumer cette relation avec les clients. D'autres qui n'avaient pas cette relation avec les clients, qui étaient bloqués par un intermédiaire, vont enfin pouvoir avoir cette relation directe avec leurs consommateurs. Aujourd'hui, personne n'est capable de vous dire ce que va être dans 5 ans l'avenir de ces plateformes. Est-ce qu'elles auront réussi à être la porte d'entrée de l'intégralité de notre économie, de tous les services et de tous les produits que nous achetons? Ou est-ce que, parce qu'on aura réussi à penser ce nouveau monde, qu'on aura formé des personnes capables de le penser, eh ben on va pouvoir modifier notre droit et repenser la façon que les individus ont d'interagir avec eux, et notamment dans la protection de leurs propres données. Si Facebook n'est pas celui qui détient mes données, mais si c'est moi qui détiens mes données, que je les prête à Facebook pour qu'il me donne une expérience, mais que le lendemain j'ai envie de le donner à quelqu'un d'autre, parce que j'ai envie d'avoir une autre interface, j'aime plus le bleu, je veux aller chez Facebook rose, et que je garde tous mes liens, que je peux continuer à échanger avec tous mes amis, etc. En fait, c'est à nous de choisir le modèle à venir, et pour pouvoir choisir, il faut être informé, il faut comprendre ça dans sa complexité. Aujourd'hui, on accuse souvent ces plateformes d'être des prisons, et des prisons qui se battent pour récupérer les prisonniers de l'une à l'autre. Donne-le-moi, non, il est à moi, ça y est, tu as vu, il a payé, donc maintenant qu'il utilise Chrome, il sera obligé de rester avec moi pendant quelques années. Mais je t'ai bloqué, puisqu'avec Alexa, maintenant, il passera plus par Chrome, il passera par son assistant audio avec lequel il va interagir avec le web. Il y a une compétition aujourd'hui sur ces portes d'entrée, il y a une compétition et un dialogue sur ces données. Vous voyez qu'il y a une complexité dans ce monde nouveau qui se transforme, et il n'y a pas un master qui traite de ce sujet-là. Il n'y a pas un secteur d'études qui traite de ce sujet-là. Il faut que nos ingénieurs de demain comprennent ces enjeux-là. Il faut que nos décideurs politiques de demain comprennent ces enjeux-là. Il faut que nos managers de demain comprennent ces enjeux-là. Il faut que nos fonctionnaires de demain comprennent ces enjeux-là. Et c'est pourquoi cette transformation globale, elle est complexe. Puis là, je parle de la formation initiale, mais toutes ces transformations qu'on va vivre dans les prochaines années, qu'on n'est pas capable de montrer du doigt encore, comment on fait pour accompagner toute la population? Et ça, c'est un autre volet de votre rapport qui est très intéressant et très important, c'est comment on forme aux compétences numériques tout au long de la vie, et comment on ouvre. Et c'est là où on peut revenir aux outils et numériques comme un objet, c'est qu'avec les nouvelles formes de MOOC, les nouvelles formes d'éducation ouverte, les nouvelles formes de partage intelligent et de peer-to-peer education, eh ben, on pourrait avoir une forme de formation nouvelle qui atteint plus de monde, mais qui réinterroge le rôle de l'établissement. Du coup, c'est quoi l'établissement? C'est quoi être élève d'un établissement? C'est quoi ce qui fait que Sciences Po, c'est pas pareil que HEC, que c'est pas pareil que Harvard? Et ça, ça pose plein de questions. Ça peut pas juste être la marque. Si c'est que la marque, alors on aura tout raté. Par contre, on peut reprendre une distinction numérique entre hardware et software. On pourrait se dire que les établissements, c'est le hardware, c'est-à-dire qu'il y a une façon de penser, il y a une façon de coder, il y a une façon de transmettre, il y a un ensemble de règles, et puis après, il y a des contenus qui vont suivre ces règles, les continuer, des étudiants, des élèves qui vont rentrer dans ces règles, puis de temps en temps, j'en aurai marre du hardware Sciences Po, et puis j'irai dans un autre hardware ailleurs. Mais tout ça, c'est des questions très ouvertes que votre rapport désigne, montre du doigt, mais qui nécessiterait que des centaines de personnes se mobilisent, qu'on continue de travailler sur ces sujets longtemps. Et c'est pour ça que c'est passionnant d'être là où on est aujourd'hui avec Frédéric, c'est que les 5 ans qu'on va vivre, on est incapable de vous dire ce qui, dans 5 ans, sera la réalité économique, la réalité de l'éducation de demain. Et la seule responsabilité que nous avons, c'est de créer les capacités pour tous les citoyens, pour tous les étudiants d'aujourd'hui et de demain, de maîtriser cette transformation. Le rythme s'accélère, il continue de s'accélérer, la somme de données existantes n'a jamais été aussi importante, elle continue d'accélérer dans tous les sens. Comment on maîtrise? Et bien, c'est notre responsabilité et c'est le rôle de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale de donner la capacité à chacun de maîtriser. Merci beaucoup. Ça ouvre beaucoup de questions et certaines s'affichent derrière vous. Je vous invite à y jeter un œil, ce qui permettra d'enrichir la discussion. Madame la ministre, de votre côté, quelles pistes avez-vous retenues de ce rapport dans la perspective de votre action pour ces 5 ans à venir?
Bonsoir à tous. Alors moi aussi, j'ai évidemment lu avec beaucoup d'intérêt ce rapport, d'autant plus que les établissements d'enseignement supérieur, comme ça a été rappelé ici, mais plus globalement les universités, se sont effectivement emparés du numérique de manière à être en capacité de repenser et de rénover leur pédagogie. En fait, les choses ont démarré à partir du moment où une quantité d'informations accessibles en ligne a été disponible et où dans le même temps les lieux d'études étaient équipés de Wi-Fi et où finalement on se retrouvait en train d'enseigner face à des étudiants qui avaient leurs ordinateurs allumés et qui, en tout cas nous l'espérions, étaient en train de regarder par anticipation ce qu'on allait leur transmettre en fait dans les formes classiques de cours. Et donc je crois que la première chose que permet de réinterroger le numérique et ce que fait le numérique dans les établissements d'enseignement supérieur, c'est réinterroger la façon dont on enseigne et la verticalité. En fait, on est sorti d'un enseignement en mode vertical où on a le professeur qui à la fois par sa recherche a construit la connaissance et puis qui est là pour la transmettre, et puis l'étudiant qui est là pour recevoir cette connaissance et se l'approprier. Aujourd'hui, on est sur des modes de formation qui sont finalement beaucoup plus horizontaux, où on a à notre disposition énormément d'informations et où l'objectif de l'enseignant, du professeur, est vraiment d'accompagner. Et on retrouve effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, une forme de compagnonnage qui ressemble à celui qui pouvait exister à l'époque où dans les universités, autour d'une bibliothèque qui représentait la somme du savoir, eh bien, les professeurs accompagnaient les étudiants dans la découverte de ce savoir livresque. Eh bien, aujourd'hui, ce savoir il a été démultiplié d'une part et il est accessible de manière extrêmement simple d'autre part. Et donc le rôle du professeur a complètement changé et il est redevenu celui d'accompagner pour voir comment on apprend à apprendre. La deuxième chose que le numérique a interrogé immédiatement, évidemment, dans les établissements d'enseignement supérieur, c'est le rapport au savoir. Il est extrêmement important que l'on cultive encore plus qu'avant, si c'est possible, cette notion d'esprit critique chez les étudiants. Puisqu'évidemment, dans la somme d'informations disponibles, tout ne se vaut pas. Il faut donc être à la fois en capacité de hiérarchiser, mais aussi de faire la distinction entre un fait scientifique démontré scientifiquement et une opinion, et puis la distinction entre une connaissance et puis une croyance. Et c'est vrai qu'à l'ère du numérique, si on n'est pas en capacité de faire ce tri, de faire cette hiérarchisation, on peut aussi souvent confondre la connaissance avec une opinion ou avec une croyance. Et donc c'est aussi évidemment cet usage du numérique qu'il faut qu'on soit en capacité d'accompagner auprès de nos étudiants. Le numérique, ça force aussi à repenser la façon d'enseigner à la fois dans l'espace et dans le temps. Alors dans l'espace, parce que du coup évidemment on comprend que la notion de grands amphithéâtres et la notion de chaire et d'étudiants assis sur des bancs est très rapidement remise en question. Donc ça, c'est l'espace, j'allais dire, l'organisation. Et il faut qu'on soit maintenant sur des espaces qui vont être des espaces beaucoup plus partagés, à la fois de manière, concrète, mais aussi de façon virtuelle. L'espace aussi, parce que finalement, la présence physique n'est plus une contrainte, comme elle pouvait l'être auparavant, et j'en reparlerai tout à l'heure, ça induit aussi de nouvelles formes de solidarité dans la façon de transmettre la connaissance. Et puis le temps, parce que évidemment la notion de disponibilité de cohortes d'étudiants tous en même temps au même moment, là aussi peut être questionnée, et ça amène évidemment à repenser aussi l'ensemble des formations. Je parlais de nouvelles solidarités parce qu'on est en train de passer de manière extrêmement rapide et beaucoup plus rapide que peut-être ce à quoi on s'attendait, d'un étudiant que je peux qualifier de consommateur à un étudiant qui devient acteur et qui devient même producteur de savoir. Et ça, c'est ce qu'on voit vraiment de manière
de plus en plus importante dans les communautés d'apprentissage qui se créent, dans l'enseignement par les pairs qui se développe, dans la façon même d'inventer de nouveaux usages à partir de ce qui est mis à disposition des étudiants. Et puis c'est aussi de nouvelles solidarités parce que, évidemment, on peut aborder d'une manière différente la façon dont on fait accéder des publics handicapés à l'enseignement supérieur, des façons dont on fait accéder des sportifs de haut niveau à l'enseignement supérieur, et puis aussi la façon dont on pense et dont on repense à l'international la mobilité des étudiants et le fait qu'on soit en capacité de construire des offres de formation qui peuvent vraiment être ouvertes sur le monde. Je terminerai d'un mot par la recherche. Évidemment, il est très important que tout ce processus s'accompagne de recherche. Alors, on l'a dit, évidemment, de recherche dans les aspects scientifiques et technologiques, mais certainement pas que. Des recherches aussi pour tout ce qui concerne les sciences cognitives et la façon dont on apprend au travers d'un support numérique. Lorsque l'on enseigne, le tacite est extrêmement important. On capte dans le regard des étudiants, dans le regard d'un public qui comprend, qui ne comprend pas. Donc, comment on étudie ça, la sociologie aussi, comment est-ce qu'on crée, on recrée des groupes différents en termes de sociologie. Comment on pense les standards aussi de la formation à distance, parce que c'est très important que nous soyons en capacité au niveau de l'Europe de définir ce que sont les standards de nos formations à distance, de façon à ne pas les subir. Bref, vraiment, l'objectif, c'est que les universités et les établissements d'enseignement supérieur du 21e siècle répondent à cette question qui a été posée ce soir, enseignement supérieur et numérique, connectez-vous au sens propre comme au sens figuré. Merci beaucoup. Avant qu'on poursuive la discussion, je voulais vous dire qu'un sondage a été lancé par l'Institut avec une question qui vous est posée, cher public. Le développement du big data dans l'enseignement supérieur est-il un signal positif pour notre système ? Oui, non, vous pouvez voter par SMS, j'ai vraiment l'impression d'animer une émission bien connue, 31 035, ou taper Univ connecté suivi d'un espace puis du numéro qui correspond à votre réponse. On verra les résultats du sondage. Je reviens à vous, Madame la Ministre. Vous avez insisté sur la transformation de la pédagogie. C'est aussi transformer la stature et la posture de l'enseignant. Et dans le rapport, il suggérait une piste intéressante qui est le développement, en tout cas la plus grande valorisation à l'échelle nationale des congés pour recherche ou conversion thématique. C'est pratiqué dans certaines universités pour permettre aux enseignants, de se former. Est-ce que vous y êtes favorable et vous comptez le développer ? Et puis une question liée aussi, comment mieux reconnaître l'investissement dans la pédagogie numérique des enseignants-chercheurs ? Qu'on appelle enseignant-chercheur chez nous, ce qui est un débat dans l'enseignement supérieur. Alors, ce qui est sûr, c'est que la formation des enseignants-chercheurs et des enseignants en général va jouer un rôle essentiel dans la façon dont on va s'approprier ces nouveaux outils et dont on va en fait repenser complètement la façon d'enseigner. Il faut qu'on soit capable de scénariser les enseignements, il faut qu'on soit capable de savoir à quel moment l'attention peut se perdre et donc où il faut qu'on mette les étudiants en mode plus acteur. Il faut qu'on soit capable de repenser des séquences pédagogiques. Et donc, oui, bien sûr, il y a une réelle nécessité de formation. Et c'est ce que disait Mounir tout à l'heure, tout est à inventer parce qu'en fait, il faut qu'on soit en capacité de se former, mais les formateurs sont encore relativement rares. Donc, on est vraiment dans une période qui est aussi extrêmement intéressante parce qu'on apprend en marchant. Mais là aussi, justement, grâce à ces outils qui peuvent être extrêmement collaboratifs, c'est aussi extrêmement facile, lorsqu'on a appris quelque chose, eh bien de le diffuser et de partager des pratiques pédagogiques. Donc oui, évidemment, il faut accompagner et soutenir la formation des enseignants et des enseignants-chercheurs pour repenser
complètement cette façon d'enseigner, cette façon de mieux personnaliser les enseignements auprès des étudiants. Et pardonnez-moi, la reconnaissance dans les carrières, puisque c'est surtout ça que nous disent les enseignants qui innovent. Alors ça, c'est un deuxième sujet que je voulais aborder aussi. De manière générale, la reconnaissance dans la carrière des enseignants-chercheurs, de l'investissement pédagogique est quelque chose qui est aujourd'hui relativement mal fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'a pas de standards et on n'a pas de normes d'évaluation. Évaluer la recherche d'un enseignant-chercheur, c'est assez facile à faire parce que depuis longtemps, on admet que cette évaluation se fait au regard du nombre de publications, de publications d'ouvrages, de participations à des colloques scientifiques, etc. Et donc, c'est une évaluation internationale qui est faite par les pairs et qui est donc parfaitement reconnue. Il faudra probablement qu'on invente, j'en ai d'ailleurs déjà discuté avec plusieurs de mes collègues ministres européens et à l'international, notamment à Singapour ou encore au Japon. Il faut qu'on invente cette même forme, si je puis dire, d'évaluation qui fait que l'investissement et l'innovation pédagogique soient... elle aussi reconnue et prise en compte dans les évolutions des carrières. Ça amène en fait à un deuxième point qui est complètement corrélé, hein, c'est qu'une façon de prendre en compte cette innovation pédagogique, c'est d'être en capacité d'être évalué, ou en tout cas que les enseignements et les formes d'enseignement proposées soient évaluées par les étudiants. Et là, on tombe sur une difficulté qui est l'évaluateur évalué, qui est toujours quelque chose d'extrêmement compliqué. Et donc on tourne en fait autour de cette question en disant on va évaluer les formations mais par les formateurs. Or on sait quand même le rôle essentiel que joue un formateur au sein d'une formation. Et donc ça c'est un débat qu'il faut qu'on ait en toute sérénité. Mais il faut effectivement qu'on soit en capacité de reconnaître l'investissement pédagogique, l'innovation pédagogique, au même titre qu'on est aujourd'hui capable de reconnaître l'activité de recherche d'un enseignant-chercheur. Alors, la recherche, justement, vous en avez tous parlé dans vos interventions, et notamment vous, Mounir Majoubi. Est-ce que vous êtes favorable à une des propositions du rapport, c'est le libre accès aux données issues de la recherche? C'est aussi un sujet très discuté, notamment au niveau européen. Quelle est votre position sur le sujet? J'ai publié plusieurs articles sur ce sujet quand j'étais président du Conseil national du numérique. Et j'avais une position radicale qui était nécessaire. Maintenant, vous savez, c'est important quand on est responsabilité d'avoir aussi une attitude responsable. Et très bien. Quand on prend des positions et qu'on est à l'extérieur, on a un impératif absolu. Et donc j'invite tous les étudiants en permanence de toujours avoir l'attitude la plus exigeante et la plus radicale dans vos idées. C'est une nécessité. C'est ce qui donne l'envie de continuer à vivre, c'est ce qui stimule, c'est ce qui fait qu'on est là. Quand vous êtes dans une autorité indépendante, il faut chercher à ne pas connaître toutes les contraintes, puisque ça vous permet de rester libre dans vos pensées. Et après, il y a un rôle spécifique dans la société qui est membre de gouvernement, et qui est donc d'avoir accès à l'intégralité de l'information, et donc à l'intégralité des contraintes. Donc vous me permettrez de renvoyer à mes écrits passés répondre sur ce sujet, et je laisserai bien sûr la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation répondre sur ce point. Mais oui, philosophiquement, si on n'aborde pas les sujets techniques de droit d'auteur et des conséquences sur les grands équilibres économiques, puisque c'est ça le grand problème, c'est que c'est ça les discussions qu'on a eues. On a fait une loi république numérique sous précédent mandat que j'ai soutenue sur ce point-là. Philosophiquement, je pense qu'il est nécessaire pour la recherche d'ouvrir au maximum l'accès, de permettre la fouille profonde à l'intérieur de ces données. Et maintenant, il faut le faire de façon responsable, c'est-à-dire qu'il faut comprendre comment ça fonctionne dans un équilibre qui permet qu'on continue de produire ces données. Parce qu'il pourrait y avoir une attitude trop radicale maintenant qu'on est responsabilité qui pourrait empêcher cette production. Je pense qu'il faut que l'équilibre soit plus d'un côté que de l'autre, mais franchement, Frédéric, là-dessus, je ne me permettrai pas de... Madame la ministre, un mot sur ce sujet qui est aussi dans les questions qui s'affichent derrière vous. Absolument. Donc, en fait, je crois qu'il faut distinguer deux choses. Le monde de la recherche est un monde qui est traditionnellement un monde où on échange, où on montre ce qu'on a découvert au travers de colloques, au travers de discussions, et où on publie ce qu'on a découvert. De plus en plus de communautés scientifiques souhaitent se tourner vers les publications en open access parce qu'il y a une forme de
de prise en otage en termes de publication scientifique. Et on est toujours très, très réservé à l'idée que nos publications peuvent ne pas être accessibles dans certains endroits du monde parce que pas de publication, parce que pas les moyens de prendre les abonnements, etc. Donc il y a vraiment cette idée de conserver le partage le plus large possible de la connaissance parce que c'est extrêmement important. D'un autre côté, comme on vient de le dire, hein, l'évaluation par les pairs est aussi quelque chose d'extrêmement important et donc il faut qu'on imagine, mais ça commence à s'organiser dans plusieurs communautés, des formes d'open access avec évaluation par les pairs qui permettent de diffuser le plus largement possible les découvertes. Ça, c'est un sujet. L'autre sujet, c'est comment on utilise les bases de données, les big data, les informations que l'on donne de notre plein gré ou parfois sans bien comprendre qu'on est en train de les donner pour faire de la recherche. Et ça, effectivement, c'est un sujet qui est beaucoup plus complexe dans le sens où là, on va aborder des questions, évidemment, de vie privée, des questions de cybersécurité. Et donc, là aussi, il faut qu'on soit en capacité d'être peut-être mieux armé pour travailler l'ensemble de ces sujets. La chose qui est extrêmement demandée, on le voit, hein, c'est d'être en capacité d'analyser le comportement des enfants ou des jeunes par rapport à des supports numériques, de manière à pouvoir faire au bon moment l'envoi d'un petit exercice de mathématiques, si par hasard l'enfant a envie tout d'un coup de faire des maths plutôt que de continuer à jouer à ses jeux vidéo. Donc là, on voit qu'on rentre à la limite vraiment de la sphère privée, et c'est pour ça que c'est très important que, avant de s'engager dans ce genre de recherche et d'utilisation des données, eh bien, on soit en capacité, là aussi, de créer les règles et les standards qui vont protéger de cette utilisation des données. Sachant que tout le monde n'aura pas forcément cette même retenue par rapport à l'utilisation des données. Et on le voit en permanence. Hein, il suffit que vous vous connectiez au travers de votre moteur de recherche préféré pour voir apparaître en fonction de vos goûts, des sites de voyage, des promotions pour des voitures ou de l'équipement sportif, si vous êtes un grand sportif. Et ça, c'est rien d'autre que le fait que, au travers de l'analyse des recherches précédentes que vous avez faites, eh bien, on vous envoie des choses de plus en plus personnalisées. La question, c'est où s'arrête en fait la partie vie privée et où commence les données qui peuvent effectivement être confiées à des chercheurs. Voilà, il faut peut-être réfléchir, y compris à des chartes d'utilisation de données. Enfin, en tout cas, là encore, c'est très important qu'on soit en capacité de mettre en place des standards. Alors, la question des données nous amène à celle de la personnalisation des parcours des étudiants, qui est une question aussi dans l'actualité. Comment l'accès à ces données sur les apprentissages, sur les parcours des étudiants, sur leurs compétences, peut permettre de personnaliser l'enseignement et puis change aussi la manière dont sont pilotés les établissements et les universités tout particulièrement. Donc c'est aussi le lien entre les learning analytics et puis la gouvernance des établissements, la place des systèmes d'information et comment tout cela amène les établissements à se transformer, mais vraiment de l'intérieur. Et c'est aussi un des aspects du rapport. Je voulais que vous reveniez un petit peu là-dessus, parce que vous expliquez dans le rapport, Edouard Husson, que faire entrer l'université française dans l'ère digitale, c'est le meilleur moyen de parachever l'autonomie des établissements, qui, on le comprend en vous lisant, n'est pas achevé, n'est pas fini, et vous appelez à un nouvel acte de l'autonomie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce lien et pourquoi il faut aller vers plus d'autonomie si on veut faire plus de numérique ? Oui, d'abord, je peux me permettre une remarque générale sur l'ensemble des questions qui sont abordées. Ce que nous avons voulu exprimer par ce rapport, c'est qu'il fallait absolument cesser de subir la définition de normes ou des initiatives qui sont prises ailleurs. Et ce à quoi nous avons voulu appeler, c'est au fait qu'en France, en Europe, il était absolument nécessaire d'aborder certaines questions, de les aborder de front. On peut les aborder avec prudence,
mais il faut les aborder. Et ça, je crois que là-dessus, la supériorité pendant longtemps des Américains était que simplement ils faisaient et puis que les autres se situent par rapport à ça. Donc ça, on a beaucoup insisté là-dessus. Le deuxième élément, vous avez prononcé le mot, effectivement, c'est celui d'autonomie. Quand on regarde finalement ce que c'est que le grand mouvement d'autonomisation des universités depuis une trentaine d'années ou une quarantaine d'années à travers le monde, on voit qu'on se préoccupe beaucoup de l'autonomisation institutionnelle, mais qu'il y a aussi la question pour les enseignants-chercheurs de pouvoir mieux maîtriser leur parcours, mieux définir leur parcours. Et on sait que ça a pu créer d'énormes débats en France, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas avoir peur d'aborder. Et puis il y a aussi la possibilité pour l'étudiant de plus maîtriser son environnement, de plus construire son parcours. On a voulu évoquer aussi l'enjeu de la professionnalisation, le développement des compétences. Donc effectivement... il faut malgré tout revenir à ce que vous mentionniez, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'au début de ce rapport, pourquoi est-ce qu'on a posé au début du rapport un appel à un acte 2 ou 3 de l'autonomie des universités. Parce qu'il nous a semblé que dans le mouvement en cours, certes, il y a des informations, je me tourne vers mon voisin, il y a des informations que le gouvernement a et que peut-être d'autres n'ont pas, mais malgré tout, l'expérience que font aujourd'hui de plus en plus d'universités, c'est qu'il y a énormément de données les concernant qui sont en accès libre. Aujourd'hui, quand une université, on donne cet exemple, l'université italienne en Calabre a voulu mieux savoir où elle en était du point de vue de la recherche, ben finalement, elle a commencé par regarder sur le web tout ce qui était en accès libre et elle s'est aperçue que 80% des données qui lui manquaient la concernant, elles étaient accessibles de cette manière-là. Puis ensuite, elle s'est tournée vers son ministère avec des questions plus précises. Et puis c'est comme ça que l'université de Calabre a découvert quelque chose que le Centre national de la recherche italien ou le ministère n'avait pas pu lui dire, à savoir qu'ils étaient les numéros 2 en Italie en termes de production scientifique sur le numérique et l'informatique. Donc il y a une question, il y a beaucoup d'informations disponibles et aujourd'hui on a beaucoup de façons de les capter. Et ce qu'on propose, c'est d'encourager au développement de ces outils dans les universités. C'est aussi de permettre, parce qu'il y a presque aujourd'hui autant de systèmes d'information que d'institutions, c'est de permettre aussi les interfaces, les interconnexions, de manière à rendre le système efficace. Et si je parle juste de ce qu'on est en train de faire à PSL en ce moment, à Paris Sciences et Lettres, on est précisément en train de faire ça, on est en train de développer un outil qui nous aidera au pilotage de la recherche, mais qui commence d'abord par la collecte de toutes nos données. Et il y a celles qui sont en accès libre depuis le ministère, il y a celles qui sont en accès libre depuis les bases de données européennes, et puis il y a celles qui sont chez les éditeurs scientifiques qui gardent jalousement leurs données. Évidemment, il y a ça aussi. Mais ce qu'on espère, c'est que d'ici quelques mois, on aura un outil de pilotage qui pourra être partagé par l'enseignant-chercheur, le directeur de centre, et le chef d'établissement, le président de l'université. Et ça, je crois que ça peut tout changer. Surtout si ça permet aussi d'encourager les coopérations entre projets et aussi si une université partage avec son ministère la même information, parce que ça, souvent, c'est extrêmement important. Sur ce qui vient d'être évoqué, Madame la Ministre, donc un acte 2 ou 3 de l'autonomie, quelle est votre vision là-dessus ? Alors, ce qui vient d'être dit, évidemment, je le partage tout à fait et c'est extrêmement intéressant. Il est très important que les universités, les sites universitaires, les regroupements soient en capacité de définir leur identité. Et je crois que définir son identité, c'est évidemment, ça commence par regarder en interne ce qu'on est, mais c'est aussi regarder l'image que l'on projette dans le regard des autres. Et là, en l'occurrence, quelle est l'image que d'autres pays, que d'autres institutions ou que simplement Internet véhicule sur un établissement. Donc je pense que ça, c'est effectivement quelque chose qui va être essentiel de manière à ce que nos universités et nos sites d'enseignement supérieur et de recherche soient en capacité de construire des projets dans lesquels l'ensemble des établissements se rassemblent et autour desquels ils se rassemblent. Et ça, c'est obligé que ce soit fait sur des bases qui ne soient pas que des bases, j'allais dire, de ressenti, mais sur des données factuelles qu'effectivement on va pouvoir retrouver beaucoup plus facilement sur Internet. Quand les universités font cet exercice, hein, de se connaître elles-mêmes et de positionnement,
C'est extrêmement important qu'elle soit en capacité de faire ce qui vient d'être dit, de regarder quelle est la perception de l'université par le monde extérieur, que ce soit d'ailleurs, c'est aussi intéressant de le faire sur la perception, j'allais dire, la plus fréquemment retrouvée, que sur la perception à bas bruit, parce qu'on apprend aussi beaucoup de son établissement en allant regarder qu'est-ce qui s'en dit, y compris à bas bruit. Et ça permet d'anticiper, de corriger et d'avancer. Alors vous avez dit qu'une université soit en capacité de, ça suppose aussi des aménagements peut-être juridiques. C'est ce que vous vouliez dire ou pas ? Alors, en ce qui concerne les aménagements juridiques nécessaires pour accompagner l'autonomie, on a depuis la loi de 2013 un certain nombre d'outils qui ont été imaginés. Moi, j'ai tendance à dire que les boîtes ont été dessinées et les établissements ont dû se glisser dans ces boîtes qui leur convenaient plus ou moins. Le souhait du gouvernement, c'est de commencer plutôt par consolider des projets qui seront portés en commun et de faire en sorte que les boîtes soient dessinées autour des projets. Ce qui me semble beaucoup plus important pour garder en fait une vraie ambition commune, une vraie stratégie commune et une vraie définition commune d'un projet. Si on commence par demander, lorsqu'on souhaite mêler les différentes compétences de plusieurs établissements pour que chacun apprenne de l'autre, la première question qu'on pose, c'est qui est le chef ? On s'arrête tout de suite de travailler ensemble. Je crois qu'il vaut mieux demander quel est le projet. Alors, une autre question pour vous, Mounir Majoubi, et puis ensuite, on prendra les nombreuses questions qui s'affichent derrière nous, sur l'écosystème des start-up qui s'intéressent notamment à l'enseignement supérieur de très près, qui proposent des solutions pour une meilleure orientation, pour désengorger les amphis quand il le faut, ou en tout cas qui surfent sur les difficultés que peuvent traverser l'enseignement supérieur pour avancer des solutions innovantes. Le lien entre les établissements, les universités et cet écosystème n'est pas toujours simple pour des tas de raisons. Complexité des marchés, difficulté à s'identifier les uns les autres. Comment vous comptez rapprocher ces deux écosystèmes qui se connaissent mais encore pas suffisamment pour interagir ? Sur ce sujet, c'est un sujet qu'on retrouve très régulièrement dans l'administration et dans toute l'action publique, c'est comment on fait venir des entreprises dont l'objet est de fournir des solutions légères qui ne sont pas des solutions système. Aujourd'hui, les systèmes informatiques de l'État, les systèmes IT de l'État, des universités, des établissements, des administrations déconcentrées, décentralisées, ce sont des systèmes, des grosses choses qui ont été adaptées de façon spécifique pour exécuter et réaliser des missions telles qu'elles existent, telles qu'elles sont définies par la loi et par la pratique et par les coutumes telles qu'elles ont été jusqu'aujourd'hui. Et à ça, vous tentez de plugger des outils qui sont dans le cloud, qui stockent leurs propres données, qui authentifient elles-mêmes, qui ne sont pas vraiment stockées ici, qui sont plus agiles, qu'on peut déclencher en quelques jours et mettre en place, mettre à disposition des élèves. Ce qui est important, c'est qu'on passe, si on veut utiliser ces services, d'une philosophie du système à une philosophie de l'expérimentation. Et ça, c'est vraiment un objet important dans le cadre de la transformation numérique de l'État, dans l'annonce qu'on a faite de Action publique 2022, qui est une transformation de la façon qu'ont à penser les dirigeants publics d'expérimenter des nouveaux outils numériques. Aujourd'hui, un dirigeant d'établissement, il faut du courage pour se dire « je vais expérimenter sur un public donné, un cours donné ou un élément donné, une solution alternative qui ne s'intègre pas à mon système tel qu'il existe ». Aujourd'hui, on préfère, c'est plus rassurant et puis c'est plus égalitaire, puis c'est plus systémique, se dire comment je mets à jour mon système, comment je mets mon gros progiciel. Sciences Po, quand ils ont mis en place les premiers MOOC, les documents virtualisés, quand même, j'ai eu de la chance, j'ai eu mes premières années en polycopié et la fin des années en tout virtualisé, c'était des PDF. Mais ça s'appelait des polycopiés numérisés. Ouais, c'était l'avant MOOC. Mais on a tout de suite mis ça en place pour l'intégralité des élèves et on a fait un appel. Enfin, Sciences Po a fait un appel d'offres extérieur avec une entreprise qui a mis en place ce dispositif, qui a mis 1 à 2 ans pour être mis en place. Donc moi, j'ai envie qu'il y ait plus d'expérimentation. Le ministre de l'Éducation nationale en a envie, le ministre de l'Enseignement supérieur en a envie. Et pour ça, il faut qu'on transforme pas simplement l'éducation et l'enseignement supérieur, il faut qu'on transforme la façon
dont le service public expérimente. Et donc là, aujourd'hui, dans les consignes que le gouvernement a voulu donner à tous les dirigeants publics, de dire le droit à l'erreur, c'est aussi pour les fonctionnaires, la responsabilisation des fonctionnaires jusqu'au niveau le plus local, c'est un élément important. Il faut qu'on donne les marges de manœuvre pour qu'un établissement, pour qu'un service public local, ils se disent, ben, moi, je vais essayer, là où je suis, de mettre en place, de façon temporaire, des dispositifs. Sinon, on va passer de ces hyper gros systèmes indépendants à des autres gros systèmes de plateforme. Je rappellerai par exemple le passage de la messagerie de Sciences Po, d'un système gros chose hébergé ici, à la messagerie Google. C'est un choix. On passe d'un gros chose à un autre gros chose capable d'absorber du gros chose. Si on veut diffuser la EdTech française, eh ben aujourd'hui, on n'a pas du gros chose dans la EdTech française. On a des gens capables de mener des expérimentations. Donc moi, j'ai très envie qu'il y ait un enseignement dans cet établissement qui décide, par exemple, d'aller tester des nouvelles choses. Et puis, on verra ce que ça donne. Et peut-être qu'on le généralisera. Et peut-être que cette petite EdTech française, elle deviendra la championne mondiale du sujet. Je vous propose de commencer à prendre certaines des questions. Vous voulez peut-être ajouter une réponse sur ce sujet ? Le côté expérimentation est effectivement quelque chose d'extrêmement important si on veut aussi, toujours dans cette notion d'identité et de singularité de chaque établissement, permettre aux enseignants-chercheurs et aux équipes pédagogiques de s'emparer de certaines questions. On le voit, et effectivement, certaines deviennent ensuite une évidence pour l'ensemble des établissements. Et en fait, elles ont été plébiscitées par le bas et par l'usage, et beaucoup moins imposées par le haut. Alors, s'affichent derrière vous les résultats du sondage. Donc oui, à 92%, c'est un signal positif, le développement de Big Data dans l'enseignement supérieur. Alors, il y a des questions qui ont recueilli un large vote. Je vais les regrouper. Des questions qui pointent l'écart, en fait, entre ce que l'on est en train de dire sur les ambitions pour le numérique et la réalité, parfois difficile, de certaines universités, sur le plan budgétaire, sur le plan des conditions, sur ce qui se passe notamment dans le premier cycle. Une question, le numérique dans l'enseignement supérieur est-il réellement une priorité lorsqu'on sait qu'il pleut dans certains amphis de France ? Plusieurs questions se tournent autour de ce thème-là, mais plus globalement, comment faire, puisqu'il y a aussi un enjeu qui concerne l'espace, vous l'avez dit tout à l'heure, pour voilà, à la fois accueillir plus d'étudiants, leur permettre d'avoir des espaces de travail un petit peu différents et réinventés avec le numérique dans des conditions budgétaires plutôt contraintes, comme on le sait aujourd'hui. Alors là encore, il y a probablement plusieurs réponses à ces questions. D'abord, je voudrais simplement dire de manière générale que certes, il est possible qu'il pleuve dans certains amphis, mais que si on ne donnait pas en permanence une image un petit peu misérabiliste des universités, peut-être qu'elles-mêmes seraient plus en capacité d'être fières de ce qu'elles font. Et moi, en tout cas, je suis très fière de ce qui se fait dans les universités et je voulais déjà commencer par ça. Repenser les espaces autrement, ça veut dire effectivement, en termes d'emploi du temps, arrêter de se demander qui aura cours dans quelle salle le matin. Ça veut dire réinvestir l'ensemble des espaces dans une université. Ça veut dire repenser les centres de documentation comme aussi des espaces où on peut faire du travail collaboratif. Ça veut dire tout ça. Ça veut dire repenser aussi le lien probablement avec les CROUS, les animations le soir. Voilà. Ça veut dire aussi être capable de penser communauté virtuelle, et ça c'est extrêmement important. Et puis après, ce que je voudrais dire en termes de moyens cette fois-ci, hein, c'est que d'abord sur le patrimoine des universités, il y a eu une augmentation non négligeable du budget, que la nouveauté, c'est que les universités vont être en capacité de valoriser leur patrimoine, et ça je pense que c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important, utiliser les amphithéâtres qui seront peut-être devenus un peu moins utiles pour y faire cours, pour y accueillir des manifestations, bah, c'est aussi une façon de repenser l'université comme un lieu où
objets différents, des gens différents, des missions différentes sont en capacité de se croiser, donc comme un lieu extrêmement ouvert. Et puis il y a eu un premier appel à projet dans le cadre de ce qu'on appelle les nouveaux cursus universitaires qui sont essentiellement centrés sur la question comment on accueille tous les publics à l'université, dont les résultats viennent d'être donnés. Ces projets vont être dotés d'un peu plus de 130 millions d'euros et au global il y a 450 millions d'euros qui sont dédiés à la rénovation et à la transformation pédagogique du premier cycle en utilisant bien entendu aussi les outils numériques. Donc voilà, en ce qui concerne la partie investissement sur la façon dont on repense et dont on transforme le premier cycle, notamment en utilisant les usages du numérique. Je crois que dans le grand plan d'investissement, il y a une proposition qui a été faite qui va au-delà de tout ce qui a été fait jusqu'à présent et le gouvernement en est très fier. Alors, il y a pas mal de questions aussi sur l'expérience internationale qui peut vous inspirer les uns ou les autres. Une question qui nous est posée, donc certaines universités étrangères, Suisse, Allemagne, etc., utilisent le numérique de façon très efficace dans leur administration. Ne pourrait-on envisager d'inviter des experts de ces universités pour moderniser les nôtres ? Et puis une question que j'ajoute, qui est également posée, sur quelles expériences à l'étranger vous aurez inspiré sur le lien entre numérique et enseignement supérieur ? En tout cas, sur l'intelligence de l'échange, le président de la République avec la présidente estonienne ont par exemple annoncé un échange de compétences numériques entre l'État estonien et l'État français. On va recevoir les premiers Estoniens à Paris très bientôt et les premiers Français vont y partir dans le cadre d'un échange avancé sur les architectures et les outils numériques utilisés pour leur transformation. Ce n'est pas juste des visites, c'est les architectes numériques de l'État français qui sont dans mes équipes, qui vont aller rencontrer les architectes de l'État connecté. Est-ce que l'Estonie compte parmi les pays les plus avancés dans ce domaine? C'est ce qui est un des pays les plus avancés dans la transformation numérique de toute son action publique, de l'éducation jusqu'à la délivrance du service public local. Mais qui le peut aussi parce qu'il est plus petit, parce qu'il n'avait pas d'histoire administrative, que c'est un pays qui a eu à se réinventer les 20 dernières années, et tout ce contexte-là. Et parce que, et c'est aussi la condition du succès estonien, parce qu'ils avaient un système d'enseignement supérieur et de recherche de très bon niveau, hérité du précédent régime, qui faisait qu'ils avaient de très nombreux spécialistes du numérique dans le pays, qui a permis de mobiliser. Il ne faut pas oublier que toutes les transformations, elles ne sont possibles que si on a des gens compétents de très haut niveau qui sont formés. Et c'est peut-être une question qu'on n'a pas abordée tout à l'heure, c'est dans ce monde où on se généralise tous, qu'est-ce qu'on fait de l'expert et comment, dans ce numérique qui personnalise, on arrive quand même à avoir une exigence dans l'enseignement et dans la rigueur de l'enseignement qui permet d'avoir des experts sur certains sujets et qui va être essentiel. Mais donc je vous ai donné l'exemple de l'échange qu'on a avec l'Estonie. On a un échange entre des premiers de la classe avec les Canadiens, avec les Anglais, et avec qui on... Alors, ce n'est pas le même niveau de profondeur d'échange qu'avec l'Estonie, mais avec qui on partage beaucoup sur les méthodes utilisées. Après, je veux quand même rappeler que Renater, le réseau Renater, les outils Renater, qui sont très discrets, mais qui sont utilisés par toutes les universités en France, qui est un réseau très haut débit qui connecte toutes les instituts de recherche et toutes les universités, qui permet la visioconf et qui permet le fait qu'on puisse avoir des amphis haute définition d'un côté ou l'autre du territoire. Ce réseau, il est envié à travers l'Europe, il est exemplaire, et moi, à titre personnel, aujourd'hui, j'utilise Renater, donc ce réseau issu de l'enseignement supérieur et de la recherche, comme un exemple pour la transformation numérique de tout l'État. Donc en fait, on a quand même des zones où on est particulièrement bon et où l'université publique est particulièrement bonne. Une autre expérience internationale. Oui, juste pour ajouter un mot, c'est-à-dire que je crois qu'il y a des choses absolument extraordinaires qui se passent partout dans le monde et on peut suivre ça. Il y a aujourd'hui des sites internet qui montrent les universités smart, encore plus smart, et donc ça on peut trouver. Mais il faut pas sous-estimer les ressources extraordinaires qu'on a chez nous. Et souvent, la difficulté, c'est de repérer que dans un incubateur qu'on a dans son établissement, on a un start-upper qui a bricolé quelque chose qu'on pourrait très bien diffuser immédiatement.
Sauf que soit on ne le sait pas, on n'a pas pris le temps d'aller voir, soit il y a un règlement X, Y ou Z qui dit qu'on n'a pas le droit de signer un accord avec un start-upper de son établissement pour le diffuser, etc., etc. Donc je crois qu'il faudrait aussi se dire qu'on a des ressources extraordinaires. Il y a un constat aussi qui est fait par tout le monde, c'est que la créativité, l'inventivité de tous les Français jeunes et moins jeunes qui touchent au numérique est remarquable, mais que souvent ils trouvent à aller s'établir dans un autre pays qu'on n'arrive pas à les retenir. Il ne faut pas oublier cette dimension-là aussi. Sur ce sujet, Madame la Ministre, et sur effectivement les expériences françaises dans ce domaine qui sont aussi à valoriser. Alors effectivement, d'abord il y a énormément de choses qui sont faites au sein des établissements qui ne demandent finalement qu'à être partagées de manière à ce qu'on fasse un changement d'échelle et qu'on soit en capacité de mieux les utiliser. En ce qui concerne l'enseignement supérieur et l'utilisation des outils numériques dans l'enseignement supérieur, on a effectivement, dans le cadre de la francophonie, de très beaux exemples au Canada, avec des systèmes qui ont été entièrement pensés par les utilisateurs, par les enseignants-chercheurs, de façon à la fois à pouvoir offrir des formations en ligne, exactement au même titre que des formations en présentiel. Et ce sont les étudiants qui choisissent de prendre l'une ou l'autre des formes, et puis parfois une forme sur une discipline, et puis une autre forme sur une autre discipline, ce qui permet aussi évidemment de multiplier les majeurs et les mineurs. Après, moi, je pense qu'il faut qu'on soit en capacité aussi d'inventer notre propre façon d'utiliser les outils numériques dans notre propre pédagogie, puisque je crois qu'il y a aussi une façon d'aborder la connaissance et une façon d'enseigner dans les établissements d'enseignement supérieur français, et qu'il ne faut pas forcément copier tout et tout ce qui se passe sur d'autres sites. Enfin, en clin d'œil, je rajouterais que les MOOC, les premiers MOOC qui ont été créés, l'ont été par des très grandes universités américaines qui s'en sont simplement servis comme produit d'appel pour faire venir ensuite des étudiants qui payaient les droits d'inscription complets pour avoir les diplômes. Donc voilà, je pense qu'on n'est pas obligé de suivre tous les exemples qui se font à l'international. Par contre, évidemment, c'est très important de rester ouvert, de savoir ce qui se fait et de décider effectivement quels sont nos standards, quelles sont nos normes. Qu'est-ce qu'on a envie de faire passer comme message dans les établissements d'enseignement supérieur français et européen, qui sont peut-être différents de messages qu'ont envie de faire passer d'autres établissements d'enseignement supérieur ailleurs dans le monde. Alors une question qui s'affiche là, qui complète celle que je vous posais tout à l'heure, Mounir Majoubi, sur l'obstacle que peuvent constituer les marchés publics quand on veut développer l'innovation ouverte. Quel business model ? J'ai lancé cette semaine la revue des startups, qui est une initiative qui va durer quelques mois et qui consiste à demander aux startups qu'est-ce qui les bloque aujourd'hui et qu'est-ce qui les freine. Bon, toutes celles qui ont un produit qui a un lien de près ou de loin avec l'État, c'est le sujet des marchés publics. On a des outils qui existent, des outils juridiques, on a le partenariat d'innovation, on a des outils, des modalités de marchés publics qui permettent d'acheter de façon expérimentale, d'acheter des produits nouveaux et différents. Mais, et je le rappelais tout à l'heure, c'est pas dans la philosophie du moment. Donc il faut qu'on soit capable de redonner confiance aux responsables publics locaux, aux dirigeants des établissements, aux fonctionnaires, de se dire qu'il n'y a pas de risque à essayer de prendre du risque aussi dans l'achat public. Pourquoi c'est compliqué de faire un marché public avec une start-up ? Parce que, comme vous faites une expérimentation, il se peut que le produit, en fait, il ne corresponde pas, que ça ne marche pas très bien et qu'il y ait une déception. Alors que quand vous achetez un gros système, comme vous mettez un an avant de prendre votre décision, que vous passez en comité d'audit une dizaine de fois et qu'à la fin tout le monde est d'accord, quand bien même ce serait un échec, collectivement on se répartit l'échec chacun et on peut rentrer le soir. Quand on est seul à cette gourée, c'est compliqué. Et pourtant, j'étais à Rennes il y a deux semaines, j'ai participé tout l'après-midi à une conférence sur l'achat public innovant. Y a des régions, il y a des établissements un peu partout sur le territoire qui ont hyper favoriser ce mode d'achat qui est le partenariat d'innovation. Dans le partenariat d'innovation, l'entité publique dit « je vais acheter quelque chose que je ne suis pas encore complètement capable de désigner, je cherche un partenaire pour venir m'apporter cette solution, on va payer en plusieurs étapes,
et on fera une analyse à la fin pour savoir si on généralise ou si on fait durer ce contrat. Bon, bah ça, c'est un peu nouveau comme façon de faire, mais c'est la seule façon qu'on aura de généraliser tout ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une EdTech française qui se diffuse, on a de plus en plus d'entreprises qui émergent, on a des fonds d'investissement. Il y a des fonds d'investissement, il y en a un prochain qui arrive, qui est le premier fonds EdTech 100% français, qui sera lancé la semaine prochaine. Donc on a quand même le terreau pour que ça émerge. Vous vouliez compléter cette... Oui, moi je réagis, j'aime bien ce que j'entends, mais je voudrais... Il y a beaucoup de témoins là. je voudrais savoir, enfin, moi là c'est le responsable d'établissement qui réagit, et je parle de l'ensemble des sujets. J'ai un code des marchés publics qui est extrêmement contraignant. J'ai une Cour des comptes qui, évidemment, n'attend qu'un seul truc, c'est que mon établissement ne le respecte pas. Et donc, je viens d'entendre le secrétaire d'État au numérique placé auprès du Premier ministre me dire que, finalement, si j'expérimente, si je prends des risques, je serai pas sanctionné. C'est très exactement la philosophie de la loi sur le droit à l'erreur et sur l'ambition qu'on donne sur le projet de loi. Vous avez entendu, hein. J'ai beaucoup de témoins, là. Pour revenir à vos questions, bien sûr, on n'aura pas le temps de toutes les poser, mais il y en a certaines qui expriment un doute. Un doute quant à... est-ce qu'on n'est pas en train de créer, en fait, un système universitaire à deux vitesses, avec des universités qui seraient capables d'avancer rapidement sur le numérique et d'autres qui resteraient à la traîne? C'est une des questions qui est posée. Et un doute aussi sur la capacité à répondre à la problématique de la hausse de la démographie étudiante, aux amphibandés, etc., par des systèmes de MOOC. Voilà, une interrogation sur le numérique comme solution, et puis ses effets aussi sur la disparité entre établissements et entre leurs équipements. Bon. Alors, d'abord, je ne pense pas avoir dit ou même envisagé que la réponse à l'augmentation démographique des étudiants passerait par une dématérialisation des cours, ou alors... J'ai peut-être dit en dormant, mais j'ai vraiment aucun souvenir. La question que derrière vous. D'avoir dit ça. D'accord. Donc non, la réponse est qu'il ne me semble pas que ce soit une alternative crédible. D'autant plus que sur le territoire national, il reste un peu plus de 110 000 places dans les universités. Donc c'est pas une question de place. La question qui s'est posée cette année et pour laquelle nous aurons une solution à la rentrée prochaine, elle est double, c'est celle du tirage au sort. Et est-ce qu'on accepte la sélection par le tirage au sort telle qu'elle est pratiquée depuis plusieurs années ou pas? Et moi, ma réponse est très claire, c'est non. Et la deuxième question, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on ne donne pas à 70% des étudiants qui s'installent pour la première année sur les bancs d'un amphithéâtre l'impression qu'ils ne sont pas bons, puisque à la fin de l'année, ils ont raté leur année ou ils ont quitté l'université. Donc ça, c'est vraiment mes deux sujets et c'est ça qui est extrêmement important pour moi. Sur le côté université à deux vitesses, il existe déjà en France des outils qui sont entièrement partagés, qui s'appellent les universités numériques thématiques, et où, en gros, il y a des productions de chaque champ disciplinaire sur des outils qui peuvent accompagner la formation ou sur des cours en ligne. Il y a aussi la plateforme FUN qui met à disposition de l'ensemble des établissements une grande diversité de MOOC qui ont été créés par les établissements et mis à disposition de l'ensemble des établissements. Donc il ne me semble pas que si on arrive à des universités à deux vitesses, ce soit par un manque de partage et de coopération entre les établissements. Au contraire, la majorité des projets qui sont portés sont des projets qui justement permettent de faire ce partage de connaissances. Après, qu'on n'ait pas envie de s'emparer du numérique, c'est encore possible, hein, il ne faut pas non plus peut-être idéaliser le monde universitaire. C'est une véritable pédagogie qui doit se faire aussi au sein des établissements pour que l'ensemble des enseignants-chercheurs s'approprient les outils du numérique et re-questionnent leur façon d'enseigner. Et ce n'est pas quelque chose qui se fait d'un claquement de doigts. Donc c'est pour ça qu'il faut évidemment qu'on accompagne et qu'on encourage ces transformations
tout en respectant évidemment la liberté pédagogique de chaque professeur de ne pas utiliser le numérique s'il ne souhaite pas le faire. Il y avait une question qui est passée aussi en même temps, qui disait comment est-ce qu'on implique plus les étudiants. Absolument. Et ça, je pense que c'est effectivement quelque chose de très important. La très grande majorité des universités sont en train de dessiner et d'écrire leur schéma numérique de développement. Et évidemment, c'est très important, lorsqu'on décrit ce schéma numérique de développement, d'une part, d'y associer les directions des systèmes informatiques, parce que pour le moment, c'est quand même eux qui ont en charge tout le support du déploiement du numérique dans les établissements. C'est important que ce soit coordonné avec les directions des systèmes d'information, mais il faut évidemment que ce soit fait sur un mode participatif avec des étudiants qui proposent des choses. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est quand ça se fait comme ça, quand ça se passe comme ça, les étudiants découvrent même de nouveaux usages et de nouvelles façons d'utiliser les outils qui sont mis à leur disposition. Voilà, nous, on avait imaginé mettre à disposition des outils pour un objectif, et puis les étudiants se sont emparés de ces outils et puis les ont utilisés pour un tout autre objectif. Et c'est très bien comme ça, parce que le numérique, c'est tout sauf un système figé. Je prends une toute dernière question, puisque plusieurs personnes dans la salle, je ne l'ai pas affiché, hein, mais je vais vous la dire, s'interroger sur l'opportunité de tenir des états généraux ou des grandes assises de l'enseignement supérieur et du numérique. Qu'en pensez-vous ? C'est tous les jours. Oui, en fait, c'est... Question très française. Oui, je pense que on a un petit peu la même réponse avec Mounir, et c'est vraiment dans le sens de ce que je viens d'indiquer. Le temps qu'on fasse ces assises et puis qu'on en écrive les conclusions, je pense que les choses auront tellement évolué que ce ne sera pas forcément la meilleure façon de procéder. Il faut vraiment être dans une dynamique, et cette dynamique, elle est à inventer. Elle est à inventer au sein de chaque établissement, et c'est ce que disait... aussi, je crois, Mounir tout à l'heure, c'est on ne va pas faire disparaître ni homogénéiser la façon d'enseigner qui est propre à chacun des établissements d'enseignement supérieur en France. J'allais évidemment répondre par une boutade en disant ben oui, des assises chiches, et nous, on les organisera à Paris Sciences et Lettres. En fait, je crois que, Madame la Ministre, vous venez de dire la chose importante, c'est qu'il faudrait qu'elles aient lieu dans chaque établissement. Parce qu'il y a des trésors de mobilisation possible, des étudiants, des enseignants-chercheurs, des personnels qui ont tous des idées. Je crois que ça serait la plus belle chose à faire. Peut-être que ça rejoint ce thème d'une plus forte autonomie des universités et de la prise en main du destin, de leur propre destin, par les établissements d'enseignement supérieur. Bien, je vous propose que nous applaudissions nos intervenants. Je remercie Madame la Ministre, Monsieur le Secrétaire d'État, Édouard Husson, d'avoir participé à ce débat, et merci à tous pour votre participation. Bonne soirée. Merci. Oui, bonsoir.